là. Faites attention, la bande de Guy Pépé est dans le coin. Oui, avec ce qu'on a dans le chariot, 230 000 dollars en or, il vaut mieux ouvrir l'œil et le bon. Tiens, bois ça, ça va te réchauffer. Merci. Par cette pluie, on aura besoin. Pour les autres, hein. Du whisky, ouais, il est rudement chic, le patron. Pendant qu'on gèle ici, lui, il est bien au chaud. Ta gueule. Si seulement on était déjà à demain. Bon, allez, allez, buvons. Tu sifflais toute la bouteille. Allons voir ce qui se passe.
Je ne t'ai jamais vu sourire. Remarque bien, je te comprends. Au bagne, on ne rigole pas tous les jours.
Mais aujourd'hui, tu peux être content, hein? Les portes s'ouvrent toutes grandes pour toi. Mais si tu sors avec cette tête, tu vas faire peur et tu ne tarderas pas à te retrouver ici. À te voir, on ne dirait pas que tant d'années ont passé. Elles ne t'ont pas marqué. J'ai l'impression que notre première rencontre date d'hier. Voilà les 83 dollars que tu avais en poche il y a 15 ans. J'espère qu'ils t'aideront à reprendre un bon départ. Mon revolver. Maintenant, les cartouches. Les cartouches? J'en avais 27. Il y a 15 ans, je me rappelle, vous les avez mises là en bas dans le tiroir de gauche. Sept cartouches. Tu as une excellente mémoire. Quelquefois, ce n'est pas difficile. J'avais 6 cartouches dans mon revolver et 21 dans mon ceinturon. Si on ne m'avait pas donné à l'époque, le compte n'aurait pas été le même. Ce n'est pas un très beau cheval, mais le gardien m'a dit que tu ne pouvais mettre que 30 dollars. Thank you.
bijou. Hé, ici. Quelque chose. Il y a bien longtemps que j'ai quitté le pays. Tout a changé. Tes parents? Avec ma sœur, c'était toute ma famille. Je suis désolé. J'en ai entendu parler autrefois. Salut, Bill. Tu as bien fait de venir en ville. Je voulais justement te parler. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec le juge et il est d'accord avec moi. Est-ce que tu aimerais être l'adjoint du shérif? Oh, bien sûr, la paye n'est pas bien grosse. Mais je vais prendre ma retraite. Dans pas longtemps, tu auras de l'avancement. Qu'est-ce que t'en dis, Bill? Il est temps de gagner ta croûte. J'ai remarqué votre petit manège. Ah ben si, à toi. Vous savez, shérif, je dois vous dire qu'en ce moment, j'ai d'autres soucis. Bill, personne ne te connaît mieux que moi. Autrefois, j'étais un très bon ami de tes parents. Alors je sais très bien à quoi tu penses. Mais tu ne crois pas qu'il serait temps d'oublier. Ben, shérif, merci quand même.
là. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Qui a tiré? Allons, ouvrez, ouvrez! Entrez. Et où vous croyez-vous? Au stand de tir? Si quelqu'un essaie de me tirer une balle dans le dos, je me défends. Vous vous défendez un peu trop bien, monsieur. Vous les avez tués tous les deux. Ils sont entrés par la fenêtre. Et ce n'était certainement pas pour me border. Ah, d'accord, d'accord, légitime défense. Seulement ici, nous sommes contre la violence. Et je vous demande de quitter la ville aussitôt que possible. Bonjour, Bill. Dis-moi, combien t'as de verres chez toi? J'en ai deux. On peut les salir? J'aimerais te parler de quelque chose. Parlez, shérif. Qu'est-ce qui vous amène? Ceci. Que voulez-vous dire par là? Que ma mémoire ne m'a pas trahi. Je me suis demandé toute la nuit s'il fallait que je vienne t'entretenir de ça, oui ou non. Seulement, je te connais trop bien pour te cacher la vérité. Où les avez-vous eus? Sur les bottes d'un cadavre. De qui? Deux hommes ont été abattus cette nuit. L'un d'eux portait ses éperons. Qui les a tués? Un étranger. Un certain Ryan. Il est allé vers l'ouest. Ne touche pas ton revolver. Quand tu suis quelqu'un, Blanc-Bec, il faut t'y prendre autrement. Le monde est plein de types nerveux. Qui te tire une balle dans le dos et se présente ensuite. Dis-moi qui tu cherches.
C'est curieux, en 15 ans, je n'ai pu trouver qu'une seule trace. Cet éperon. Et puis tu t'amènes et voilà que j'ai trois éperons. Si tu connais l'histoire, je n'ai pas besoin de te dire qui je cherche. Nous avons tous les deux un compte à régler avec les mêmes personnes. Mais j'ai en quelque sorte la priorité. Nous n'avons qu'à nous associer. Non, petit, il y a tellement de haine en toi que tôt ou tard, tu auras des embêtements. La haine est la haine, il n'y a pas deux mesures. N'oublie pas le vieux dicton. La vengeance est un plat qui se mange froid. Si tu le manges trop chaud, tu peux avoir une indigestion. Je préfère agir seul. Alors il faudra que tu me tues. J'y suis obligé. Si tu ne le fais pas, tu me retrouveras toujours sur ta route. Tu en doutes? Non, j'en suis sûr. Mais l'important, c'est d'arriver le premier. Je laisserai donc ton cheval à Roc Rouge, à 15 km. C'est l'avantage que je prends sur toi. Bonne chance, petit. Il pourra t'être utile. Whisky et de l'eau. Je voudrais voir Cavano. Un autre whisky? Je voudrais voir Bert Cavano. Dis donc, toi. Je vends du whisky, c'est tout. Merci pour le renseignement. Hé, hey, toi, où vas-tu? Alors, c'est une surprise. C'est une bonne surprise ou une mauvaise surprise? Mais tu crois que je ne suis pas content de te voir? Combien as-tu donné aux deux sbires qui devaient me tuer? Oui. Je ne vois pas de quoi tu parles. Au fond, ça n'a pas d'importance. Que tu les paies bien ou non, c'est un mauvais investissement. Je devrais te tuer.
Autrefois, je l'aurais fait tout de suite. Mais peut-être que le bagne m'a appris quelque chose. Par exemple, que même un salaud comme toi a plus de valeur vivant que mort. Écoute, Ryan, oui, j'admets que je t'ai joué un sale tour en t'abandonnant au procès, mais tu devrais... Non. Tu ne m'as pas abandonné, tu m'as vendu. Mon Dieu. Oui, tu m'as trahi, ça fait une différence. Oh, c'est l'histoire ancienne, ne rendons pas ça sur le tapis. Tiens. Voilà une centaine de dollars. Et ça n'est pas beaucoup, mais les affaires vont mal ces derniers temps. 100 dollars. Oui. Ça vaut plus de 100 dollars, 15 ans de bagne. Tu vas me faire regretter ce que je viens de dire. Je ferais peut-être mieux de tuer une crapule comme toi. Allons du calme, Ryan. Combien te faut-il? 15 000 dollars. Quoi? Oui, 15 000, 1000 par année de bagne en liquide encore. Oh, tu t'imagines que j'ai tout ce pognon sur moi? Tu le trouveras. Je suis sûr que tu le trouveras. Je peux attendre au moins jusqu'à demain, en tout cas. Ça me réchauffe le cœur de savoir que mes vieux amis ont tous fait fortune. J'ai vu que vous êtes tous bien installés. J'irai chez le premier citoyen de Linden City. Il sera content de me revoir maintenant qu'il est important. Allez, à demain. Oh, ne joue pas avec ça. Pas encore. Chance au tripot, l'ami? Pas du jeu, ce qu'ils font, c'est de l'arnaque. Ils m'ont tout pris, les salauds. Ils m'ont dépouillé de tout. Allez, viens, je t'offre un verre. Non, je n'entre plus là-dedans. C'était un avertissement, ils m'ont raflé mon argent. Mais cette fois, ils vont me descendre. Allez, viens donc. Avec moi, tu ne crains rien. Allez, viens. Mais je ne veux pas retourner là-dedans, viens, vous ne comprenez pas? Non, je ne veux pas. Non, je vous en prie. Je vous en prie, je ne veux pas me faire tuer. Amène-toi. Le whisky. Combien as-tu perdu? 30 dollars. Qu'est-ce que tu fais? Tu trouves ça drôle? Merci. Rendez l'oseille et tirez-vous. Je ne pars jamais sans avoir fini mon verre. À l'étranger, je t'arrête. Je t'arrête pour tentative d'homicide. Et dans cette ville, tu en prendras au moins pour 10 ans. Quand le juge tombe, monsieur le juge? Demain. Mettez-le en cellule. Je regrette que ça ait mal tourné pour toi.
Un instant. Si mon témoignage a de la valeur, je peux affirmer que c'était un cas de légitime défense. La plus légitime que j'ai jamais pu voir. Vu la personnalité du témoin, l'accusation n'est pas retenue. En conséquence, le prévenu peut disposer. Oui, les cartes. T'as eu de la chance, mais maintenant, Phil, j'aimerais te dire quelque chose. Tu as été plus malin que ces deux imbéciles. Félicitations. J'aime les types malins, j'ai du travail pour toi. Passons dans mon bureau. Abaisse le chien de ton arme, en douceur. Repos. Tu as encore beaucoup à apprendre, petit. Eh bien, cette fois, toi aussi, tu as à apprendre. Cavano m'a offert $500 pour te tuer. Encore un mauvais investissement. Tu crois ça? Je ne l'ai peut-être pas pris tout à fait au sérieux. Permets-moi de te dire que tu as bien fait. Et dis-moi une chose. Pourquoi veut-il que je te tue? Qui est Cavano? Tu poses un peu trop de questions. Ah, tu sais, je pourrais acheter des renseignements avec ces $500. Pour moi, il vaut beaucoup plus. $15,000. Aussi, je te conseille de te mêler de ce qui te regarde. Sinon, je pourrais me fâcher. Tu es prévenu. Je découvrirai qui il est, et si c'est un des assassins de cette fameuse nuit, tu pourras te mettre en pétard. Et attendez, monsieur, attendez. Je viens vous remercier. Je suis un pauvre diable et il y a bien longtemps qu'on n'a pas eu une gentille attention pour moi. Mais si vous me demandez de marcher sur le feu, je vous jure que j'y marcherai. Je te demanderai autre chose. Je veux des renseignements sur Bert Cavano. Y a-t-il longtemps qu'il vit à Holly Springs? Quand je suis arrivé ici, il était déjà le patron de la ville. Mais si vous voulez vraiment en savoir plus, je sais qui vous devez voir. Il vous faudra une grande bouteille de rhum, parce que plus le bonhomme boit, et plus il cause. Le troupeau s'est dispersé, et le pasteur s'est endormi sur le champ. La bouteille. La bouteille. Vaut mieux être endormi que mort. À votre santé.
À la bonne vôtre. Alors, dites-moi ce que vous savez de Berthe Cavano. C'est une ivrognesse. Elle sent l'odeur du rhum à un kilomètre. La bouteille. Où est la bouteille? Mais il n'y a pas de bouteille. Où est la bouteille? Il n'y a pas de bouteille. Donne-la-moi. Sors ta bouteille, canaille. Non, mais pas à nous, elle est au monsieur. Mais enfin, de quoi avons-nous l'air, je te le demande? Excusez-la, monsieur, c'est ma femme. Elle est un peu portée sur l'alcool. Avant de finir tout le rhum, parlez-moi de Berthe Cavano. Cavano? C'est un véritable scorpion, un serpent. Tais-toi, laisse-moi parler. Quand je suis arrivé ici, les fidèles venaient à l'église. J'étais un bon pasteur aussi. Parlez-moi de cet homme. De qui donc? De Cavano. Ah, Cavano. Il avait avec lui un pistolet et un paquet de cartes, c'est tout. On l'appelait Caridas. Foulot dame, je ne vois rien, foulot as. Pauvre ami, malheureux au jeu, heureux en amour. Laisse-moi encore une chance. Quelle garantie as-tu? Tu sais que j'ai perdu ma ferme, mes bêtes, et tout ce que je possédais. Tu le sais, non? Alors, ôte-toi de là en vitesse. Allez, laisse ta place. Prête-moi $500. Donne-moi encore une chance. Je ne te demande que $500. Qui veut faire le cinquième? Moi. Les employés ne jouent pas. Allez, donne les cartes. Combien? Servi. Je suis satisfait de tes $500. Caridas. Moi aussi, Caridas. Dis, l'ami, je n'aime pas qu'on plaisante avec moi. Je suis sérieux. Cavano, voilà 15 ans au ranch Messita. Tes hommes et toi, vous avez tué tout le monde. Mais vous avez oublié un détail. C'est de me tuer. Donnez-lui une arme. Allez, lève-toi! Maintenant, pianiste, frappe les trois coups.
Deux choses à apprendre, petit. Regardez derrière toi. Et comptez tes cartouches. 4 balles pour n'abattre qu'un homme, c'est du gâchis. Reste là, toi. Moi, je vais aller prévenir Walcott. $15,000. Un bon sang. Hey. Hey, s'il vous plaît, je voudrais un renseignement. Oui, lequel? Quand part le train pour Linden City? Il est parti depuis un quart d'heure. Et quand passera-t-il un autre? Après-demain. Mais non, j'en faites pas, mon vieux. Votre ami m'a laissé votre cheval. Il a pris le train, hein, c'est ça? Oui, et il m'a dit aussi, un ami va venir te voir, un brave garçon. Tu lui donneras le cheval et un baiser. Le cheval est là, derrière. Le baiser, où le veux-tu? Non, je me contenterai du cheval. C'est pourquoi je cède la parole à notre bien-aimé concitoyen, orgueil de notre communauté, le banquier... Walcott! Linden City! Linden City! Ça, c'est vrai. J'espère qu'ils font mon voyage. Linden City. Prochain arrêt, Johnsonville. Attention au départ. Et ce n'est pas tout, car le sénateur Carlyle a autorisé la ligne de chemin de fer qui dessert Santa Fe et El Paso à marquer un arrêt dans notre cité. Pour nous, cela va signifier... bien-être, prospérité et richesse pour tous. Citoyens, j'aurais bien voulu prolonger cet entretien avec vous, mais malheureusement, le devoir m'appelle. Vive le sénateur Carlyle, vive Linden City! Est déjà là et l'autre ne va pas tarder à arriver. C'est celui-là qui a tué Cavano. Eh bien, va prévenir Pedro, Paco et tous les autres. Dis-leur seulement que la date de la fête est avancée. C'est bonjour, tout. Monsieur. Ne dis rien d'autre. Ils comprendront. Walcott, un étranger vous demande. Fais-le entrer. Doucement. Vous êtes tous les mêmes. Les années passent et vous faites toujours les mêmes choses. Le revolver dans le tiroir, le coup de poignard dans le dos, les mensonges. Tu avais peut-être peur que je ne te reçoive pas. Oh non, au contraire. J'avais peur que tu ne me reçoives un peu trop bien. C'est pourquoi j'ai préféré passer par derrière. Walcott, l'étranger a disparu. Mais non, je suis là. Je suis déjà là, mon vieux. Maintenant, tu peux nous laisser. Et referme bien la porte derrière toi, on ne veut pas être dérangé. La porte!
Tu es devenu un type important. Et plein aux as. Tu as beau avoir changé de nom, Guy Pep. Tu ne me donnes pas l'impression d'avoir changé de tête. Tu as toujours la plus sale gueule que j'ai jamais vue. Écoute, Ryan. La ferme. Pourtant, là où j'ai passé toutes ces longues années à cause de toi, ce ne sont pas les sales gueules qui manquaient. Et les choses ne sont plus comme elles étaient. Je te dédommagerai, Ryan. Assieds-toi. Parlons un peu. Nous n'avons pas tellement de choses à nous dire. 7 mots seulement. 15 000 $ plus 15 000 $. 15 000 plus 15 000. 30 000 $. C'est une belle somme. Belle comme 15 ans de travaux forcés. Je veux en plus ce que m'aurait versé Cavano. Parce qu'il a été tué sous mon nez avant que j'ai eu le temps d'encaisser mon argent. Je te donnerai un acompte. Par exemple, 10 000. Bon, d'accord. Le reste demain. J'ai dit assez. Ne le tuez pas encore. Il nous est utile pour le moment. Je pourrais t'abattre immédiatement, mais ce serait trop simple. Savez-vous ce que je me dis, les amis? C'est le ciel qui nous l'a envoyé. Notre bon vieux Ryan va nous être encore utile comme au bon vieux temps. Laisse-le. Il m'a fallu de longues années pour conquérir la confiance de cette ville et celle du gouverneur de cet État. Mais ce qui importe aujourd'hui, c'est que je possède dans les réserves de ma banque plus $1 million. Les fonds que l'État a mis à ma disposition pour les travaux publics. Qu'en dis-tu, Ryan? Devrais-je dépenser pour de stupides travaux publics cette montagne de dollars? Vois-tu, ils ne sont pas d'accord.
Et je crois qu'il va falloir que j'en tienne compte. Pas de vue, surtout, bien sûr. Ah, monsieur Walcott. Oui, bonsoir, Frank. Quelque chose d'urgent, monsieur Walcott? Frank, va ouvrir l'autre porte. Je fermerai celle-ci. Vas-y. Il travaillait chez moi depuis 10 ans. Un employé fidèle. C'était un ami. Patron, ils ont tué l'autre gardien et fait sauter le coffre-fort. Ils ont tout emporté. Un des bandits a été arrêté. Ils viennent d'arrêter un des voleurs. Un des voleurs a été capturé. Du large, du large. Et c'est
passé. Je le reconnais. Il est venu hier dans mon bureau. Il est clair que c'était pour préparer le hold-up. Mais qu'est-ce qu'on attend ? Du calme ! Cet homme a droit à être jugé en bonne et due forme. Les voleurs et les assassins n'ont droit à rien. C'est juste. Vas-y, vous en. Écoutez-moi, il sera pendu, ne vous emballez pas. Mais d'abord, il doit nous donner le nom de ses complices. Voulez-vous, oui ou non, récupérer votre argent? Oui, et bien alors. Donnez-moi le temps nécessaire pour mener mon enquête, bon sang. Citoyen, le shérif a raison. Moi aussi, je me suis laissé emporter par la colère. Cet homme sera pendu. Ah, oui. Surveillez cet homme. Enfermez-le dans l'atelier de la gare. C'est une vraie puanteur. Dispersez-vous. Shérif, je viens avec vous. Le prisonnier s'est évadé. Il devait avoir un complice. C'est votre faute, shérif. Nous voulions le pendre. Les morts ne s'évadent pas. Cet homme est devenu un véritable danger pour nous. Arrêtez-le au plus vite, ou vous en répondrez personnellement. Partons, perdons pas de temps. À Linden City. Je suis impatient de parler à Walcott d'homme à homme. Qu'est-ce que tu en dis, grand-père? Je dis que tu vas faire une erreur, comme d'habitude. Pourquoi? Premièrement, Linden City est très monté contre les étrangers depuis quelque temps. Si jamais tu es reconnu, tu finiras au bout d'une corde. Deuxièmement, Walcott n'y est plus. Hein, comment le sais-tu? J'ai l'habitude de faire travailler mes ménages, tu devrais en faire autant. Walcott avait un plan parfaitement mis au point qui a échoué grâce à toi. Maintenant que tu m'as libéré, il a quitté les lieux, en renonçant à son rôle d'honorable citoyen. Dans quelle direction est-il allé? La même direction que la bande et l'argent. C'est-à-dire? Eh bien, ils ont tourné en rond pour mêler leurs traces. Ensuite, une fois qu'ils ont eu égaré le shérif, ils ont filé vers El Viento. C'est un village en territoire mexicain, le refuge préféré de Walcott. Évidemment, tu sais toujours tout mieux que les autres, grand-père. Ça ne t'empêche pas de rester ici, tranquillement.
Tu finis de te raser comme si de rien n'était. Cette fois, je serai là-bas avant toi. Naturellement, je te laisserai aller à pied, toi aussi. C'est un prêté pour un rendu. Mais moi, je n'abandonnerai pas ton cheval à 15 km d'ici, alors je te conseille de t'en chercher un autre. Tu ne veux pas goûter un peu de cette viande avant de t'en aller? C'est presque cuit. Non, ce coup-là, on me l'a déjà fait. Comme toi. Un de ces quatre matins, je me retrouverai avec une balle en plein cœur. Et je n'aurai personne pour me venger. C'est tout, va-t'en. Ça pourra t'être utile. Señorita, por favor, j'ai soif. Tengo sed. Se sont-ils enfuis quand ils m'ont vu? Oh. Oh. Vous avez peur de quoi? Toi, est-ce que tu es un des leurs? Non, moi je suis de votre côté. Thank you.
Sauve-toi, je t'en prie. Pourquoi? Oh, ils te tueront. Avant de me tuer, il faut d'abord que je donne mon accord. Et je doute que je veuille le donner. Voilà pour toi. Il est content que ce soit la ligne. Je suis venu exprès avant les autres. Parce que j'ai pensé que tu étais impatient de voir. Oh, lâchez-moi. Lâchez-moi, je vous dis. Oh. Embrasse-moi, Nia. Je n'ai pas arrêté de penser à toi. Hé, hey, toi, qui es-tu? Quelqu'un qui passe sa colère sur les hommes. Est-ce que tu essaierais de me faire peur? Tu as l'air d'un imbécile et tu comprends vite pourtant. Avance, Matamor. Voyons qui de nous deux a peur. Que se passe-t-il, l'ami? On dirait que tu as changé d'idée. Oui, j'ai décidé de te tuer. Détache ton pistolet. De l'autre main. Rappelle-toi, il y a 15 ans, au ranch Mesita, déjà cette fois-là, tu t'étais attaqué à une femme. Malheureusement pour toi, il se trouve que cette femme, c'était ma mère. Livre vivant à Pedro. C'est à lui de venger son frère. Thank you.
tous ensemble. Allons-y. Encore. Toi, reste ici. Surtout, n'en bouge pas. Sous aucun prétexte. Bien. Paco, où est-il? Je t'ai demandé où était mon frère! Qui a fait ça? Qui? Nous l'avons pris vivant. Il est là. Tu vas nous payer ça. Je te jure que tu me paieras. Ah oui, tu me paieras. Fils de chienne, je t'encherai vite. D'abord, je veux savoir qui il est. C'est lui qui a tué Cabano. Voilà qui est intéressant. Ainsi, tu travailles pour Ryan. Naturellement, tu sais parfaitement où il se trouve en ce moment. Fais-moi préparer un trou sur la place. Tu parleras, crois-moi. Tu parleras. Figure-toi qu'on aimerait beaucoup savoir où se trouve ton petit copain Ryan. On veut lui faire une surprise. Je t'écoute. Tu n'as pas envie de mourir dévoré par la soif ou les fourmis. Tu es joli garçon. Tu ne serais plus très beau si tu avais la figure ridée comme une momie. Si je parle, qui me garantit la vie sauve? Qui? Je te promets que si tu nous mets sur la piste de Ryan, on ne te fera pas crever à tout petit feu. C'est Pedro qui se chargera de te tuer. Tu es d'accord? Qu'en dis-tu? Ryan pensait que vous n'alliez pas revenir si tôt.
Il est allé à Redstone Pass. Il a pris rendez-vous avec des amis pour se débarrasser de vous. Et quand doit-il voir ses fameux amis? Ce soir. Redstone Pass est à une trentaine de kilomètres. Partons immédiatement. J'espère pour toi que tu m'as dit la vérité. Emmenez-le sur la place. Dépêchons-nous. Allez, là. Je vois que tu es un homme de parole. Nous ne te quittons que pour 10 heures. Malheureusement pour toi, ce seront 10 heures au soleil. L'honneur de lui donner le sel te revient. Regardez qui vient là. Dis, l'ami, qu'est-ce que tu as dans tes paniers? Arrête-toi, l'ami. Sinon, la prochaine fois, je te mets une balle dans la tête. Arrangé pour arriver avant moi. Oh! Idiot. Tu entres dans ce trou, est-ce que tu en sors? Tu es devenu tout petit, minuscule. Tu me fais penser à une marmotte qui ne sait pas bien ce qu'elle veut. No.
Bon, je vais encore te laisser mijoter un moment. Tu n'as qu'à essayer de t'en sortir tout seul. Hey, c'est pas le moment de plaisanter, grand-père. Donnez pas trop à la fois. Ce serait dangereux. Je ne sais pas qui vous êtes, ni vous ni votre ami, mais je sais que c'est le bon Dieu qui vous envoie pour nous protéger des méchants. Tu sais, à vrai dire, je n'ai pas l'impression d'être tellement dans la manche du bon Dieu. Je ne suis pas ici en tant que son messager, mais seulement pour des raisons personnelles. Pourtant, il se pourrait bien que ces raisons coïncident avec les vôtres. Tu as inventé un bobard quelconque pour envoyer Walcott et le reste de ses hommes en promenade. Hein? Oui. Et quand crois-tu qu'ils seront de retour? Dans 8 ou 9 heures. Ça nous laisse le temps de leur préparer une petite réception. Vous tous, écoutez-moi. Il faut creuser une grande tranchée qui aille de là à là. Une tranchée large et profonde. Remplissez-la de bois sec et de tout ce qui peut brûler. Ensuite, arroser le bois avec des bidons de pétrole. Nous n'avons pas plus de 5 heures pour le faire, alors dépêchons-nous. Connais-tu une maison où l'on puisse cacher les femmes et les enfants? Si, seigneur. À la sortie du village, la vieille mission. Conduis-les là-bas. Le pétrole. Allez vite.
doit être arrivé à El Viento. Et il a eu tout le temps de nous préparer une belle réception à sa façon. Que comptes-tu faire? Je vais emmener 4 hommes et je l'attaquerai par derrière. Toi et les autres, attaquez-le par devant. Allons-y. A El Viento! Ils seront tranquilles. Pour cette nuit. La nuit est longue pour nos deux camarades. On va leur faire un peu de musique. Funèbre pour nous taper sur les nerfs. Mais ne l'écoute pas. Va dormir, petit. Demain matin, il faudra que tu sois en forme.
Metzala. Il faut qu'on attaque immédiatement avant que le vent ne se rabatte sur nous. Cette fois, nous n'avons pas de temps à perdre. Bonjour. Je l'espère. Cette nuit, nous n'étions pas quatre, mais cinq. Moi, je suis venu en retard. Et quand j'ai vu ce qui était arrivé, j'ai immédiatement compris qu'il n'y avait plus rien à faire. Je n'ai réussi qu'à sauver un enfant qui maintenant veut me tuer. D'accord. Je suis prêt à payer. Mais avant de me trouer la peau, laisse-moi t'aider. Ils sont beaucoup trop pour un genou comme toi. Je ne m'enfuirai pas. Je t'en donne ma parole.
Ce que tu as fait, Orange Messita. Combien as-tu de cartouches? 3. Je n'en ai plus cette fois. Je le sais, sinon tu n'aurais pas lancé ton couteau. Retourne-toi, Ryan. Défends-toi, Ryan.
Défends-toi, Ryan. Je t'ai dit, défends-toi. Merci de m'avoir laissé mon cheval.